Il n'y a pas de marée. Jésus n'est pas encore venu. Frère, je me suis mis à réétudier la parole, j'ai compris que Jésus n'est pas encore venu. Le frère m'a même dit être son sec. Frère. Amen. Frère Branham, il est 65, il dit, Jésus n'est pas encore venu. J'ai dit, amen, mais frère Branham, non. Mais j'ai vu Jésus en toi. Amen. J'ai vu Jésus manifester en toi. J'ai vu Jésus créer les écrivains en toi. J'ai vu Jean 14, 12 accompli en toi. J'ai vu Apocalypse chapitre 10 en toi. Oh, tu ne peux pas lequel Jésus. Mais c'est toi Jésus, frère Branham. Alléluia. C'est ça. Ne quittez pas vos yeux du prophète. Amen. Même si le frère maintenant vous dit que Jésus n'est pas encore venu, ne croyez pas. Amen. Amen. Hein? Parce que Élisée a refusé de croire Élie. Vas-y, quitte. Il dit non, je suis avec toi. Ruth, Naomi dit vas-y, dit non, 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 je suis avec toi. Mais Opa dit amen. Opa a quitté. Est perdu. Le dit les preuves. Allez vous montrer au sacrificateur. Ils sont partis. Un a compris. Est-ce qu'il a fait ce que Jésus lui a dit? Non. Il lui a dit, mais où sont les autres? Il dit, ils sont partis. Il y a frère t'a sauvé. Amen. Amen. Oh frère, ne quittez jamais le prophète des yeux. Regardez les prophètes la parole, frère. Amen. Oui. Frère Branham dit que Jésus n'est pas encore venu. Oui, les tonnerres ne sont pas encore révélés. Il y a des endroits. En 1964, dans la fête des trompettes, le frère Branham dit que les septièmes choses n'est pas encore révélé parce que c'est sa venue. En 64. Et pourtant, il nous dit dans quelle est sa façon sur la montagne. Il dit, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, ces bruits-là? Il dit, c'est Dieu qui a accompli sa parole. Amen. L'Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Vous allez croire quoi? Je ne te quitterai pas des yeux. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te quitterai pas des yeux. La robe de la seconde main. Amen. C'est ce que je veux. Christ Amen. À moi. Amen. Dans la vision de l'attente. Et ça, ça ne s'explique pas. Amen. 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 Si vous êtes un aigle, prouvez-nous que vous êtes des aigles. Amen. Parce que l'aigle mange de bouche à bouche. C'est la vision de l'attente. Amen. Quand je sortirai, frère, que ça c'est quelle doctrine, frère? Nous avons déjà dépassé les meilleures leçons. Amen. Là-bas, vous avez entendu à Glasgow. Ils croient que Jésus est venu, ils croient que nous sommes déjà à la troisième venue. Mais ça, c'est nous. Ça ne nous fait rien. Donc, pour nous, c'est bon. Nous sommes libres de croire ce que nous voulons croire ici. Nous nous croyons que Jésus est venu. Pas la deuxième venue. La troisième est venue. Amen. On va venir à bout où il y a. L'enlèvement, c'est du passé. L'enlèvement, ce n'est pas la mort. L'enlèvement, c'est une révélation. Amen. 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 Nous croyons qu'il n'y a pas un enlèvement où les gens iront manger quelque part. Ça n'existe pas. Nous croyons que tous mourra. Amen. Amen. Le retour dans la poussière, c'est certain pour chacun de nous. Amen. Dites amen. Amen. C'est ça que nous croyons aussi. Et nous sommes libres de le croire parce que nous avons déjà dépassé le mur. Dans son cas, nous sommes des aigles. Nous sommes en train de survoler la terre. On n'est pas sur la terre. Quand tu me regardes comme ça, toi, tu penses, moi, je suis un poulet. Ah frère, nous attendons Jésus. Non, peut-être que non, moi, quand je suis troisième venue, mon béni, mon cardiaque. J'ai parlé avec un frère qui m'a beaucoup aidé, mon frère bien-aimé. Il dit, ah frère. Il dit, ah, c'est difficile maintenant les églises ici en Europe, on ne sait plus où aller. Il dit, ah, je voulais aller communier dans une église là. Ah, je ne vais pas citer le nom, la ville. Il dit, mais ah, lui là-bas, il ne croit même pas la première venue. Il dit, ah, pendant que les autres sont déjà dans la troisième venue, nous autres, nous sommes dans la deuxième venue, mais lui, il n'a même pas vu une venue, frère. Ah, ça ne sert même plus l'église de message. Donc, le frère a compris que s'il faut dialoguer, on commence d'avoir dialogué avec ceux qui disent que Jésus est venu déjà. Parce qu'il y a des bases. Mais quand vous me dites que Jésus n'est pas encore venu, que le frère Branham est prophétie, vous ne comprenez absolument rien. Parce que vous êtes influencé par les églises du Congo. Nous, on n'est pas les Congolais, nous, on est chrétiens. On est les chrétiens. On a l'influence d'aucune église du Congo, nous. On est une assemblée locale et souveraine. Tu montes sur mon dos, je te dis, descends. Amen.
Et le Seigneur vous bénisse. Je serai là, je dis dans l'enlèvement. Je serai là, je dis dans le millénaire.
Éternel notre Père, nous te bénissons Seigneur pour la communion et merci de nous avoir reçus dans ta présence. Amen. Et merci d'avoir été au milieu de nous Seigneur, de nous avoir nourris Seigneur comme la mère est le Seigneur. Tu nous as nourris de bouche en bouche à partir sans de ta parole, des citations Seigneur. Nous avons senti Père que tu nous as fortifié Père alors que tu nous as montré cela en type. Tout ceci sans concerner le temps de la fin. Yes. Alors que nous avançons de toi, ça nous prions, Père, que tu gardes, Seigneur, nos yeux focalisés sur tes promesses. Mm. Père, éloigne de nous, Seigneur, tout découragement, Seigneur, tout ce que le monde fait, tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur, de ceux-là qui croient le message. Mais garde-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans ta parole. Amen. Et accorde-nous, Seigneur, d'être attentif et d'être sensible à ta parole. Père, comme Élisée, Seigneur, avait gardé ses yeux sur Élie, nous voulons aussi faire la même chose. Amen. Voir comment est-ce qu'il a été enlevé, voir comment Jésus a été enlevé, voir comment le frère Branham a été enlevé, comment tu as enlevé l'Église, pour que nous puissions, Seigneur, recevoir la double portion. Amen. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, nous tournerons notre retour dans nos maisons. Et bénis la semaine que nous allons commencer, les enfants qui vont à l'école, qui sont tes saintes mains. Tous ceux-là qui travaillent en tes saintes mains, bénissons chacun de nous. Merci d'avoir répondu à nos prières. Amen. Merci parce que tu connais nos besoins et toi tu vas sans les rencontrer. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toute maladie que tu as guérie. Nous te louons et te remercions pour ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la journée. Merci pour votre attention et pour votre temps. Continuez à être des chrétiens. Et soyez les aides. Entrez dans la méditation et retirez vos sœurs avec Christ. Amen. Christ là-bas, ok, Seigneur, bénisse. Vous êtes libre de Christ en présence.